Avez-vous déjà vu une mouette rire à gorge déployée? Maintenant, oui. Tadam! Man, chut, ça commence. Monsieur Gigi, c'est Monsieur Pranel, Tom Pranel de With The News, oui. Ouais, je t'écoute. Alors, je suis désolé de vous déranger, ça fait un peu secrétaire, mais est-ce que vous avez des nouvelles de Monsieur Donuts? Il faut que je lui parle absolument, je suis sur une grosse affaire, j'ai besoin de lui. Non, j'ai pas de nouvelles, pourquoi? Bah parce qu'il a été l'avocate d'une personne où il a récupéré un dossier et ça sent le roussi, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. On peut faire tomber des grosses têtes, oui. Ah ouais, c'est qui le dossier? Vas-y, je suis son assistant juridique. J'ai l'ancien, comment il s'appelle, patron de Roger de With The News. Ouais. Il est en train de m'expliquer des choses comme quoi, a priori, le maire adjoint actuel du Sud, plus sa femme, fait du blanchiment avec lui et qu'il a toutes les preuves. Donc le gouverneur lui a dit, bah, va voir With The News, parle Laurent et ils vont faire un truc juste avant les élections. Ah ouais, ça... Coucou! Yo! Bonjour! Yo! J'aime bien derrière vous, hein. Ouais, je vais mettre là sur le côté, ça te dérange un peu. Ça me dérange pas du tout. On avait une petite question juridique. Ouais, j'écoute. Ah là là. Lorsqu'une affaire dépasse les 1 mois pour le SPD, qu'ils peuvent plus rien faire. Est-ce que le gouvernement, lui, il peut faire quelque chose? Est-ce qu'il est forcément obligé de passer par le LSPD pour faire une plainte ou pour qu'il y ait quelque chose? Alors, ça va être. On va poser la question différemment. L'affaire a déjà été jugée. Oui, monsieur Jimmy. Non, en fait, c'est trop vieux pour que le LSPD puisse faire quelque chose. Oui, non, mais l'affaire a déjà été jugée. Puisque si ça parle de blanchiment d'argent chez Roger, ça a déjà été jugé. Bah oui, parce que le jugement, ça a été la saisie d'entreprise. Bah oui, mais ça a déjà été jugé. Ouais, mais là, il y a de nouvelles accusations. Bah, il y a quoi d'autre que du blanchiment? Et vas-y, moi, je suis sous l'article 5, donc tout ce que tu me dis, là, on est dans le cadre de l'avocatitude, ça n'a pas le droit de sortir d'ici. Menace, t'es avocat, toi, aussi? Ouais, je suis avocat, moi, man. Il y a menace, tentative de faire chanter, pour le coup, un patron qui blanchit, en ce côté, alors qu'il était dans l'équipe de Monsieur Connor, déjà. Donc une personne de la mairie qui tente de faire chanter quelqu'un pour récupérer des fonds. Tentative d'escroquerie, et normalement, mais ça j'attends les preuves pour que ce soit mis officiellement, mais normalement tabassage et assistanat d'un meurtre. D'accord, c'est des autres accusations. Là c'est une autre accusation, oui. Donc ça rouvre une enquête. Donc ça peut rouvrir une enquête, mais l'enquête elle date de... Après, les faits, ils datent d'il y a longtemps, donc après c'est ça. Mais en fait le but c'était vraiment d'essayer d'avoir des sanctions. T'auras pas de sanctions, man, c'est trop tard. Les élections, c'est dans une semaine. Du gouverneur. Non mais même par rapport au gouvernement, quoi que ce soit. Et la mairie aussi, parce que... Juste le fait d'avoir des sanctions. Bah t'auras pas de sanctions plus que l'autorité... Enfin, plus que le choix des gens le jour du bulletin, c'est tout. Oui, maintenant c'est juste informer la population parce que la loi ne peut plus rien faire. Bah oui, non, c'est mort ça. Ça c'est mort, sauf s'il y a une nouvelle enquête pour des nouveaux faits. Mais même si tes faits sont un peu anciens, faut voir. Il nous faut des nouveaux faits, quoi. Bah il faut des nouveaux faits. Ou alors, vous êtes des génies et vous mettez le truc comme vous l'avez là maintenant, d'accord? Avec toute une histoire machin, faut le sortir avant l'élection des gouverneurs. Et comme ça, vous vous mettez Zlu à dos et tutti quanti, et vous prévenez le shérif, et vous expliquez tout ça, et peut-être qu'il ferait une connerie que le shérif lui tombera dessus. Oui, monsieur Green. Ouais, yo, man, tu fais les flashouilles ou pas? Les flash, bah oui, pourquoi? Ouais, je recherche une... Oh merde, j'ai oublié le nom. Une Paragon Air. Paragon, alors attendez, je vais la faire en même temps, comme ça on est tranquille. Paragon Air... Non, c'est bon. Alors, du coup, recherche... Paragon Air... Et Yosemite Rancher. D'accord, donc recherche Paragon Air et Yosemite Rancher. Ouais, contactez 555 51 12. Alors comme ça, on change. Yeah man, c'est pour le boulot. Pas la fils de... Hein? Moi
moi c'est le poteau, vous c'est de la merde. Non, à 600 km/h, hein. Ouais, non, mais c'est pas l'arbre, c'est le type qui freine là en plein milieu. Qui freine rien du tout, il était en train de rouler tranquillement. C'est vous mais qui non, man, il a freiné, man. Non, arrêtez de traiter. Oui, mais c'est comme moi, le poteau il s'est déplacé, c'est ça. Bah non, le poteau c'est le poteau, j'y peux rien. Ça va, j'ai la voiture, c'est la voiture. Oui, même la salle des chaînes, non, mais. Et bonsoir. Yo yo yo. Ça va tranquille, ça se passe bien le shérif. Oui, et vous, ça se passe ouais, bien, ouais, le Ryan. Ouais, ouais, ça se passe bien, tranquille, tout va bien. T'as des pannes bien. Bah ouais, à fond, hein, toujours. Ça va bien des véhicules. Oh là là, pff, ça arrête pas, man, je viens de rentrer un Yosemite. Et Yosemite Drift qui est pas trop mal. Ouais, oui, aussi, bah, c'est le même, hein, Yosemite Drift, mais il est un peu plus large. Ah non, mais alors c'est pas ça, alors. Et c'est quoi qu'il a, Grover, là? Non, c'est un Rancher qu'il a. Ah, un Yosemite Rancher. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, pour rien. Pourquoi? Non, pour rien, pour rien. Ouais. Pourquoi? Mais dites-moi. Ah, parce que je viens de passer une annonce, recherche Yosemite Rancher, et ce fils d'up, il me fait alors comme ça, on cherche un Yosemite Rancher. Il est en train de m'escroquer de l'argent. Il est en train de commencer à m'escroquer de l'argent. Mais il l'a depuis longtemps. Ouais, ouais, non, mais je le sens bien venir là. Il tourne autour du pot, tout ça. Ouah, 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 tout ça, bam, bam, bam. Ah, bam, 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 il va vous le vendre, oui. Bah, oui, il veut me le vendre, oui. Vous commencerez à perdre patience si vous le vendrez. Oh ouais, non, je vais lui mettre direct combien tu le vends du côté, quoi. Je vais pas attendre qu'il m'en fume, c'est quoi. Ah, je pense qu'il va comprendre qu'on est là à côté de l'autre, du coup. Bon, je sais pas, peut-être pas. Ah, tu lui as envoyé un message? Eh oui. Faut que je demande ce que c'était. Ah ouais, bah c'est mort. Quel téléphone va sonner en premier? Ah, mais le vôtre, il va vous répondre à vous. Ouais, je sais pas. Ah oui, t'as raison. Bien sûr. J'en ai jamais douté, je sais pas. Ça fait longtemps que je. Quoi? Que je l'ai, j'étais bien heureux de l'avoir chopé à la concession. Il va me jouer la carte de la sentimentalité et tout ça. Allez, donne un prix là! Non! Ah bah, man vite, avant que tu finisses! En fait! C'est ballot. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui votent pour moi là. Donc c'est assez intéressant. Oh, t'emballes pas, on sait pas. Hein. T'as pas offert beaucoup de fraises. Hein. Je veux dire, le pouvoir de la fraise, c'est quand même autre chose. Hein. Mais niquez les fraises là, putain. Non, on les nique pas les fraises, on les mange pas. Ouais, on les mange, super. Les fraises. Ah, super, hein. Pas de programme, mais ça distribue de la fraise. Bah, super. Ah bah, ouais, bah écoute, ça peut être aussi un programme sur l'avenir. Hein. Ouais, ça se raccroche à ce qu'on peut. Ouais, ben moi je fais pas ça. Là par où. Contre, il y a des trucs qui circulent sur. T'as vu l'affaire Zlu? Oh putain, oui, l'article. Non, mais c'est surtout qu'ils sont venus me voir avant l'article et tout. J'ai eu tout le truc, hein, d'avant. Ah ouais? Ouais, ouais. En fait, ils pensent que Zlu, il s'est fait choper Rogers. Et du coup, il a voulu se venger et foutre la merde et faire pécho l'ancien. Et il pense que lui il a voulu faire il a monté un coup pour que l'autre il se fasse choper aussi pour blanchiment. Non. De ouf. Et qu'après il est encore un poids sur le enfin qu'il est un poids sur qui enfin tu vois il a tout fait en sorte de dire moi je sais très bien ce que tu fais tout ça si tu continues je te balance et tout donc tu vas me filer de l'argent et tout machin. Tu vois mais en fait il a fait ça pour que il se fasse choper en fait en lui mettant de la pression. Si. Oh là là. Ah, c'est une sale affaire, hein. Le Wesenio, ils sont venus me voir pour du conseil d'avocat pour savoir ce qu'ils risquaient s'ils publiaient. Ils ont tellement bien fait de publier. Bah, de ouf, en plus, c'est tombé pile poil pour toi. Hein. Et, mais tu sais qu'ils sont allés au gouvernement. Tu sais qu'ils sont allés au gouvernement. Le gouvernement a dit je peux rien faire, allez voir le LSPD. Ils sont allés voir le LSPD. Le LSPD, ils disent je peux rien faire, allez voir, démerdez-vous. Le gouvernement. ouais, démerdez-vous, toi. Ouah, ouah, ouah. C'est toi qui t'es barré avec notre bison? Ah bah non, pourquoi, man? Moi je travaille. Bah, il y a quelqu'un qui vient de se barrer avec notre bison. Mais t'es sérieux? Tu t'es fait quebrar le bison sur le parking du Ryan's? Bah, je crois bien. Mais nique sa mère, c'est pas possible, man. Oh, tu sais pas mentir, toi. Mais pas du tout, man. Moi je bosse, je suis parti faire des papiers. Tu sais pas mentir, je vois ton sourire jusqu'en haut de tes oreilles. Mais y'a pas de sourire, man, arrête. Tu fous de ma gueule en plus. Bon, bah, je le ramène alors, du coup. Ouais, ça marche, pas de soucis. A tout de suite, beau gosse. Maintenant, y'a un truc là. Oh là là! Oh!
Oh, non, mais t'as... oh merde, j'ai perdu le contrôle du truc. Je pensais oh, pas Tom. Que ça allait sauter oh, si fort, man. Oh, oh là là. Oh, je l'ai oh, couché. Non, oh, je l'ai couché direct. Oh, je suis désolé, man. Oh, il y a eu un accident de voiture. C'est moi qui lui ai foncé dedans par inadvertance. Il aurait pris un pare-choc de bison. Il a pris un petit pare-choc de bison et quelques pneus. Il a pas pris que le pare-choc. Ouais, à mon avis, il a pris aussi l'arbre de transmission, la suspension. Il a tout pris. Ah là 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 là. Il a l'air d'être vivant. J'ai pas pensé, mais si demain je suis élu. Oui, bah quoi. Il y a du champagne ? Ouais, il y en a dans le frigo. Mais il y en a plein dans le frigo, Pam. C'est vrai ? Okay. C'est blindé. Ok. Mais après, si t'es pas élu, comment qu'on fait ? Ben. Moi, je vais déprimer sur ma montagne. Quand même, mais pour se remettre. Mmh. Ouais, c'est clair. Ben, on fera l'inverse, on a plein de bouteilles de vodka. Ouais, de ouf, ouais. On se met une murge. Ouais, on se met tous une murge. Ça y est, ça m'a fait stress d'en parler. Ouais, puis là, vu l'heure, on peut même pas dire que c'est demain, hein, c'est tout à l'heure. Ah ouais, puis il faut que j'aille voter en plus. Bon, moi j'ai voté. Ah, c'est bien là. Moi j'ai voté, gars. Moi j'ai pas voté encore, je réfléchis. Ouais, vas-y, réfléchis. Réfléchis bien. Moins de réveillon aussi. Je me pose des questions sur mon avenir, tout ça. Est-ce que je vais devoir faire la fiche d'impôt? C'est pas cool, je vais peut-être pas voter pour femme, comme ça elle continuera à faire les fiches d'impôt. C'est ça. J'avais trouvé un bon filon là, et là, du coup, je le perds, et ça m'embête. Ouais, il faudra penser à le faire, Gary. Oh, t'as vu les turbos salopes là? Il y en a deux qui sont partis? Non. Si, Kevin et Johnny. Pourquoi ils sont partis? Eh ben je sais pas, j'ai appelé Kazé, il était en pleurs et je fais que c'est quoi l'histoire, ils sont partis faire un tour du monde. Je fais, ils sont même pas venus nous dire au revoir. Mais non. Je te jure. Mais non. Je t'embête, tu travailles au Paradise. Yes. Tu t'y plais? comment dire, c'est un peu mort le Paradise. Ok, tu t'y plais ou pas? Dans l'idée, tu t'y plais ou pas? Joker? Non mais c'est mort. Non mais tu peux dire non. Tu t'y plais pas actuellement parce que c'est mort, c'est ça? Ah ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Il est en vente le Paradise. Ouais. On veut le racheter. Ouais. Mais il veut pas nous le vendre parce qu'on on passe jamais au Paradise parce que forcément bah oui c'est mort tout ça, on y va pas. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais bah oui. Est-ce que ça t'intéresserait de le racheter en prête-nom? Ça va être compliqué pour moi. Pourquoi? Bah Donette, si c'est pourquoi. Elle a d'autres activités perpendiculaires. On s'en fout, on s'en fout, en prête-nom. Oui, mais après tu nous le redonnes. Tu nous le redonnes, c'est en prête-nom. Tu l'achètes juste en prête-nom. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Ouais, pas pour longtemps du coup. Non, pas une semaine. Tu vois, on connecte, y'a pas de problème. Tu vois, on connecte, y'a pas de problème. On attend le changement de gouverneur. Une semaine, voilà, c'est ça, c'est juste une semaine, on attend juste le changement de gouverneur et c'est bon, mais en prête-nom, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu fais le truc, on te file l'argent, tu dis que c'est toi, machin, et après, au bout d'une semaine, tu nous le refiles. Si tu veux garder une place pour de temps en temps t'occuper, etc., etc., nous on veut le remonter le Paradise. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu me tiens au courant? Yes. Enfin, tu nous tiens au courant de notre sous-moi, on s'en fout, c'est pareil. Yes. Ok. Yes. Je sais, bah, j'enverrai un message et. Ouais, t'essayes de passer le truc, tu vois. Et puis s'il demande un dossier, bah, on t'en fera un. Bon, par contre, si elle passe pas, il faut qu'on lui achète un truc. Et si elle passe, il faut qu'on lui achète un truc, mec, pour la féliciter. On lui a acheté quoi? Bah, une voiture, je sais pas. Non, mais c'est bon, on a une voiture de mérite. Oh! Bah oui. Putain, faut ramener ça à Paléto là. Ouais, mais on va pas à Paléto là, tu la rentres, on va à un petit garage là. Tu veux remonter jusqu'au Paléto là? Elle est full. Ouais, c'est vrai qu'on va aller plus vite que. En vrai, ça va. Eh mec, tu sais qu'elle est stylée. Hein, hein? Elle est stylée. Tu sais qu'on a eu une bonne idée, mec. Hein. Elle va kiffer. Hein. Elle va avoir tellement la classe dans ça. De ouf par contre. En mode mérite et tout. Elle peut pas ne pas passer, c'est pas possible. Il y a toujours des surprises aux élections, man. Faut pas. Ouais, bah. Après, je comprendrais pas qu'elle passe pas, honnêtement. Oui. Il a même tenu que moi. Allez bon gaz, bon gaz, bon gaz, bon gaz, bon gaz, bon gaz. Ah oui, Gary, on a reçu une réponse pour le Paradise. Ah bon? Oui, hello, il faut envoyer un mail à Richie et faire un dossier de 7 à 8 pages.
Non mais... Je vais dire, là, laisse tomber, c'est bon. Avec 57,65% des voix, est élue Madame Padilla. Wouh wow Bravo Madame Pampam. Caillon Perico, Caillon Perico, Caillon Perico. Merci. On va laisser bien sûr le micro et la parole à Madame la maire. On peut enfin le dire, Madame la mairette, Madame la mairette, pardon. On vous laisse du coup le mot à vos concitoyens maintenant. C'est à vous. Eh ben, je remercie tous ceux qui ont cru en moi, qui ont 57% vu, ma motivation, il y a 20% pour cette mairie. Ça fait 30%, un peu moins de 30% pour l'autre. J'espère ne pas c'est vous décevoir. En tout cas, je ferai tout pour, pour être là, pour donner une mairie active, pour faire des choses pour les citoyens et pour l'environnement, je serai là. Donc, merci beaucoup et merci aux candidats, enfin aux autres candidats qui étaient avec moi pour cette campagne. C'était une campagne acharnée à trois, mais c'était une belle campagne quand même. Ah ouais, ça y est, elle est injoignable au téléphone. Je lui envoie un petit message qui fait culpabiliser. Non. Je lui dis, depuis que tu es mairette, tu es inaccessible à trois petits points. Tu n'as plus de temps pour nous et ça me dégoûte. Tu veux pas qu'on change les tenues, là? Non, mais attends. Il n'y a plus pas, man, on change tout. Step by step. Non, mais pas step by step, faut tout changer comme ça. Elle a le seum direct de on a tout changé à l'heure où elle est partie, man. On change tout. On met les maillots de basket et et on change tout, on rechange toutes les dépanneuses. Toutes les dépanneuses. On les met en. On les met en truc fluo, on fait que du fluo. Que du fluo. Rouge fluo, vert fluo, bleu fluo, tout fluo. Ouais, mais pas de rose. Rien, rose non, interdit. Non, interdit le rose. Attends. Elle est encore. Pam, elle est encore rien de ce pain. Ouais, je pense qu'elle a le répondeur encore. Vas-y, je mets le message répondeur. À partir d'aujourd'hui, le rose est interdit. Une nouvelle tenue vous sera assignée dans quelques minutes. Veuillez retirer tout vêtement rose, en attendant. Vas-y. Bon, vous avez vu la tenue? Elle est belle. Oui. Débardeur, short, commencez par en bas et c'est bon. Et les chaussures, vous mettez ce que vous voulez, on s'en fout. Allez, voilà, trois... Le trio de débiles que j'ai avec moi là. Oh, je vais conduire ces coins. La ceinture. La ceinture. Ouais, la ceinture, ouais. Wouah. Donc en fait, je pars et vous faites tout pour m'oublier quoi. Pourquoi tu dis ça? Ouais, bah super. Je le prends vraiment. Ce soir, c'est la soirée. Je suis contente. Puis après, j'ai tout qui me vient dans la gueule. Je perds mon adjoint. Vous m'oubliez. Ton adjoint? Ouais, ça devait être Wilfried et en fait, il me lâche. Bah pourquoi? En fait, depuis que j'ai recruté Tania, ils sont tout le temps ensemble et tout ça au garage. Et je pense que il a envie de rester avec elle. Du coup, je me fais lâcher. Donc, je l'ai un peu verte. Ouais, je l'ai un peu verte. C'est quoi ça? C'est ta voiture de mairette, Pam! Tu crois qu'on t'avait oublié, mais pas du tout! T'es ouf ou quoi? Pam, pam, pam! C'est qui les patrons? C'est nous! Allez! Bien joué, Pam! Tu les as tous laminés! Bien joué! Voilà, c'est ta voiture de mairette! 4 places! 4 places décapotables! Elle est full sa mère, tu vois! C'est quoi le modèle? C'est une Windsor! Drop! Putain! Décapotable, c'est automatique, un c'est. Bah, une voiture de mérite, c'est une mérite, tu vas pas te balader dans un. Voilà! Tu vas pas te balader dans ce truc de. Splash, splash, splash! Bah, il est bien mon budget, mon. Ouais, ouais, il est bien ton budget, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est mieux. C'est ta voiture de mérite, t'as pas le choix. Merci, c'est gentil. Voilà! Tu crois quoi? Tu crois qu'on allait t'oublier tout ça? Mais t'es ouf ou quoi? Ouah, ouah, ouah! Ouais, il a pas trop le moral la donut. Bah je sais pas, ouais, je sais pas. Bon, je me disais, faut que je lui fasse un cadeau pour lui faire plaisir. Bah, qu'est-ce que tu veux lui faire comme cadeau? Eh ben, je lui file Henrietta. Oh putain, ça, tu lui files ça, oui, c'est un beau cadeau, ça. Ouais. C'est le Riatadé!
T'as la mérite, j'espère que t'as ta petite tenue. Ouais, vas-y, en plus, il est pas là, c'est le moment. Ok, mais t'es où? Moi, je suis... Ouais, je suis chez Wam, là, mais... Passe me chercher, au pire. Ouais, ok, mais on le laisse chez toi, au pire, c'est pas grave. Oui, oui. Oui, okay. Oui, on le laissera chez moi et on sortira. On le sortira, on lui montrera et comme ça on l'emmènera au Ryan si on fera les papiers finaux là-bas. Ouais, ça marche, nickel. Ok, bon, j'arrive, j'arrive. Ça marche, à tout. Yo, la good vibe, la salvation, nous bien. Et coucou Sissi. Ouais, je promène la mérette, là, va. On va faire des papiers, tout ça, je reviens après. T'es toute seule, Sissi, ou pas? Y'a Luc qui est parti manger. Ok, et... nickel, ok, y'a, ok, ok, ça marche. Allez, bah t'as une réparation à faire, regarde. Bon, ta radio là, je l'ai coupée. Hein. Qu'est-ce que je voulais... Je crois que j'en ai abattu un. Mais qu'est-ce qu'il faisait sous la voiture, lui? Monsieur? Bah, je sais pas. Il bah, je crois... côté. Mais il a cogné un peu trop fort, je crois. Oh bah ouais, mais bon, faut pas avoir un riata s'il est pas capable de se faire cogner, le type. Passé quoi? Eh bah écoute, il y a eu une petite malversation au niveau du Riata, il s'est pris son Riata dans la gueule et comme il est pas apte à conduire, bah à mon avis, ça a fait mouche. Hein. Riata, franchement, un autre Riata. C'est ça le problème. Merci. Compliqué, hein. Vraiment compliqué. Hein. Oui. Du coup, bah je pense qu'il faut lui faire une vérification au niveau de l'œsophage et puis au niveau du rectum, hein, voir si tout va bien. On va faire la totale, oui. Ah bah la totale, oui, de ouf, de ouf. On parle de mon recto. Nickel, impeccable. Bon, bah on te laisse faire, donc. Gary, si vous arrivez à acheter l'autre, oui, c'est donne. Pour moi. Hein. Ouais, on te le donne. Moi, je veux le même, mais avec le rose. Ouais, je sais. J'en ai longtemps. Là, je le file à Donut parce que, voilà, faut lui faire un cadeau, il est tout triste. Ouais. Percevoir des coups de fil, vos deux ex-patrons ont roulé sur un shérif, sur les clients et sur les voitures des clients. Non, on va se tenir, voilà. Non, pour le premier, on va se tenir. Par contre, le deuxième, je garantis. Mais vraiment, là? Non, sérieusement? Putain, mais t'es faible, bordel de merde. Bon, j'appuie sur ton beeper. Putain, mais cette faiblesse, là. Putain, mais y a rien. Mais ça, c'est que tu bosses pas assez. Il peut rire dans les muscles, hein. C'est tout vide, c'est tout mou, hein. Putain... Mais sérieusement, quoi. Pah, la WPMC qui se déplace. Ah non, c'est pas la moto. Ah non, c'est le truc de moto là. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a son permanent. Il y a une. Ouais, ok. Ah, oh, stylé. Ça, c'est stylé. Une balade en moto. Oh là 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 là. C'est stylé de ouf. Vas-y, vas-y, on s'échauffe. Allez, Adam, on s'échauffe aussi là, pareil. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, allez Adam, on y va, c'est parti, allez jusqu'à ce que les motards arrivent, dès que les motards arrivent, bam, vous foncez dessus, allez, on n'oublie pas, 55, 56, 57, allez vous êtes 58. Des winners, vous êtes des champions, vous êtes prêts, attention, ils arrivent bientôt, je veux entendre compter, allez on compte 60, les mains, 21, 62, voilà. 25, allez on compte, ils arrivent, attention, 60. Non, 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 ça arrive directement de l'on s'entend, on les connaît tous, on les a tous vus passer. Ça arrive, ils sont là, allez, allez, 3, 2, 1, dépannez, go, 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 allez, allez, on donne tout, on dépanne, on donne tout, ils sont 150 000, on est 3, c'est pas grave, vous êtes que 2, parce que moi, je travaille pas. Voilà, nickel, c'est bien les man. Allez, vous pouvez tous venir, il y en aura pour tout le monde. Yo, yo, yo. Oui, bonsoir, vous allez toujours bien? Ouais, tranquille, et toi? J'ai un petit souci vous concernant. Oui, vas-y, dis. Voilà, j'ai une personne ici devant moi qui, apparemment, que ce soit intentionnel ou pas de votre part, vous avez apparemment un peu écrasé son Riata et il a subi des séquelles. Il a été blessé. Ouais. Il a deux côtes fêlées, un bras cassé, entorse, genou, cheville, j'en passe. Ah ouais, chaud! Voilà. Et donc, avant de vouloir dire on va déposer plainte parce que voilà, il n'y a pas eu d'excuse, rien, etc., etc., je voulais voir avec vous si vous seriez d'accord si mon client vient que vous excusiez voilà, de l'avoir accidenté accident. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous pourriez le dédommager d'un tout petit truc pour, Je vais lui faire une semaine de gratuité du Riata en réparation.
une semaine de gratuité du Riata en réparation. Ouais, bien sûr. Ouais, je sais pas si vous a dit, Déo, on a perdu un Riata. Ah oui, ouais. Ouais, il vous a oui. dit. Et ouais, que Donuts, il s'est endormi au volant, un peu tard, sous la pluie, tard, et... Ouais. Enfin, bon, passons, on va pas refaire le truc. Il s'avère qu'il y a un type qui a rien atteint. Ah ouais. Il s'avère que le type, je l'ai peut-être malencontreusement renversé tout à l'heure. Du coup, avant de porter plainte, on est tombé sur un accord de principe. Du coup, je lui offre une semaine de réparation au Ryan's pour le rien atteint. Cool. Voilà. Oui. Il y a un petit billet qui tombe si c'est fait. Merci les man, amusez-vous bien. Allez, ciao. Hey man. Oui. T'as 5 minutes ou pas? Oui. Faut qu'on teste un truc. Tu vois le panneau qui est là, publicitaire? Ouais. Oui. Ouais. Tu vois la petite rampe, enfin le petit décroché qui est avant? Ouais. Tu crois qu'en prenant beaucoup d'élan avec ton Granger, t'es capable de toucher le panneau? Négatif. Bah moi je dis faut que t'essayes man. C'est trop lourd le Granger, il arrivera jamais à s'envoler autant. Eh tu sais pas man, t'as pas essayé, tu peux pas dire. Allez vas-y, si t'arrives à toucher le panneau je vous file 5 000 $ chacun. Attention il s'élance. Magnifique élancé. Olé, il est nul ton type là. Bah oui il a passé de vitesse. Oh là là là. Il faut largement plus de vitesse. Il a calé je crois. Oui il a calé. Ouais il a calé, c'est fou. Ouais c'est fini. Bon bah tant pis. Ça va man, tranquille. Il est trop lourd. Ah, il est trop lourd. Bon bah ouais, bon bah tant pis. Hein. On aura essayé. Hein. Ah bah tiens, vas-y, tu les répares. Attends, je vais essayer de passer au-dessus, moi. Bouge pas. Oh, presque. Non. Nickel. Bon bah du coup, j'aurais dit à Donut s'il était là devant moi. J'aurais dit Donuts, hier j'arrivais pas à dormir, alors du coup je me suis relevé, je suis sorti de la villa, je suis allé faire un tour en voiture et je me suis dit bam, je vais aller au concessionnaire. Et j'ai dit bah bim, bam, boum. J'ai racheté un gros 4x4. Pour faire le Riata Day tous les jours. Faut que je change le truc. Voilà. J'ai acheté un gros 4x4 de sa mère pour tous les jours. Voilà. Comme ça, bim. Comme ça, bam. C'est mort, t'en as eu un. Oui. Voilà. Comme ça, y a plus d'excuses. Le jeudi c'est Riata, les autres jours, c'est Vron. Voilà, boum. On va voir comment il saute. En fait, il saute pas trop par rapport au Riata. Le Riata, il jump direct. Lui, j'ai l'impression qu'il est... Il est plus collé au sol, tu vois. Ah, c'est pas du tout le même délire. Ensuite, ça va être il va être parfait pour la neige. Hein. Oh, sur la neige, il va être incroyable. Incroyable sur la neige. Et je pense qu'il monte sur 2-3 voitures quand même. Je sais pas. On va contester.